Dès l'année 2000, à l'initiative de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les grands ateliers sont créés pour offrir l'opportunité de croiser différentes cultures et de s'ouvrir vers le monde économique. En 2001, les grands ateliers sont inaugurés par Madame la ministre de la Culture et de la Communication, Catherine Tasca. C'est un lieu unique puisque c'est une plateforme qui permet de réunir l'ensemble des acteurs de l'acte de construire. Mais les acteurs professionnels, mais aussi les étudiants. Et pas que les étudiants en architecture, les étudiants, ingénieurs, art, design. Et c'est vraiment ce travail collaboratif qui permet d'avoir une démarche d'expérimentation, de réalisation de prototypes, et d'expérimenter d'autres manières de faire, d'autres manières d'habiter, d'autres manières de régler des questions sociales et sociétales extrêmement complexes aujourd'hui face aux enjeux de développement durable et l'ensemble des questions que nos concitoyens nous posent. Donc ces changements arrivent et ils arrivent très vite et ils vont changer les gens et ils vont changer les étudiants et donc il faut absolument que nous soyons vigilants sur ce qui se passe ailleurs aussi. Pour ce qui est des expériences, des contributions françaises. On a vu qu'on était en construction et qu'on est beaucoup dans une tension entre confrontation avec la matérialité et les processus d'une part et puis d'autre part avec les enjeux du numérique et qu'on est un peu tiraillé entre les deux. Ce que je note quand même, quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup, c'est qu'on voit aussi quand même émerger petit à petit une lente mais progressive prise de conscience des enjeux collectifs. Dès 2002, les premiers modules sont lancés et accueillent de nombreux étudiants à la rencontre de la matière, privilégiant les matériaux naturels, minéraux et végétaux. On a environ 50 modules par an et c'est les écoles d'architecture principalement qui sont utilisatrices à 90-95% de ce lieu et les écoles viennent faire de l'expérimentation à grande échelle dédiée à la construction. Donc les écoles viennent avec leur équipe pédagogique et les modalités pédagogiques. Ici on a une plateforme de mutualisation avec beaucoup de moyens techniques et un support de réalisation de travaux à grande échelle. C'est vrai que les grands ateliers sont uniques en France, encore d'autant plus il y a 15 ans, même 20 ans, puisque les grands ateliers ont commencé bien avant la naissance de ce bâtiment. Les architectes, traditionnellement, avant les grands ateliers, ils faisaient beaucoup de projets. Et c'est un désir d'enseignant de faire une pédagogie nouvelle avec ces grands ateliers, c'est de faire toucher la matière aux étudiants. Les étudiants sont plongés à l'intérieur du système constructif qu'ils sont en train de faire. Et c'est beaucoup plus performant en termes pédagogiques. C'est un très très bon complément. La nécessité d'installer ce mode d'apprentissage dans nos universités. Mais gardons-nous bien de penser, ou en tout cas prévenons les gens qui nous critiquent là-dessus, que ce n'est pas la seule façon de faire. Et qu'en tout cas, ça ne va pas tout remplacer, mais que c'est indispensable. C'est-à-dire que les travaux réflexifs, les travaux sur la philosophie, sur la théorie sont indispensables. La pratique et l'apprentissage de la conception, ce que disait le design. Alors en français, design a un double sens. On parle plutôt de design de meubles, donc c'est un peu difficile. On est toujours obligé de dire plutôt la conception de projet.
Et le cœur du métier, j'en reste intimement persuadé, mais je suis aussi intimement persuadé que ce cœur de métier ne se développe et ne se construit que s'il y a cette expérience physique et ce rapport à la construction. Je me référerai à des gens prouvés qui disaient « je ne peux penser que ce que je sais, ce que je vais construire » et ce que Brian a dit « nous sommes ce que nous fabriquons ». On reviendra à Leroy Gourhan qui effectivement inscrit dans la culture le fait que les objets que nous fabriquons fabriquent de la culture aussi. Les grands ateliers accueillent des écoles prestigieuses d'architecture et les écoles d'art de Lyon, Grenoble et Saint-Étienne, ainsi que l'INSA, l'École nationale des travaux publics et le Centre scientifique et technique du bâtiment. On a bien sûr les quatre écoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'école de Clermont, de Lyon, de Grenoble et de Saint-Étienne. On a aussi des écoles qui ne sont pas de la région Rhône-Alpes, comme trois écoles parisiennes, Versailles, l'école d'architecture de Versailles, l'école d'architecture de Paris-Malaquais et l'école d'architecture Belleville. Et on a aussi l'école de Montpellier qui vient régulièrement et l'école de Marseille qui est aussi pas membre des grands ateliers mais une école utilisatrice des grands ateliers. Et puis aussi on est tourné vers l'international, donc il faut qu'on soit à l'écoute de tout ce qui se passe dans le monde. Et on voit bien qu'en Asie ou aux États-Unis, il y a des expériences qui sont un petit peu équivalentes aux nôtres. Et puis, il faut essayer de regarder et d'avoir le maximum d'échanges internationaux et de bénéficier de ces apports-là pour pouvoir aller plus loin. Depuis 2010, les grands ateliers ont engagé un programme d'investissement soutenu dans les machines numériques. Ateliers, c'est une équipe complète. C'est-à-dire qu'on a une équipe d'encadrement et une équipe administrative. Donc c'est tous ces membres-là qui font vivre les grands ateliers, qui assurent la bonne marche de ces workshops. Et jusqu'à présent, ces 15 ans ont été plutôt des belles années en termes de travail collectif. AMACOS, ça signifie Atelier Matière à Construire. C'est un projet qui est soutenu par l'État français dans le cadre des investissements d'avenir depuis 2012, qui consiste à concevoir, développer et mettre en œuvre des contenus et des formats pédagogiques à destination des établissements d'enseignement supérieur, que ce soit école d'architecture, école d'ingénieur, IUT de génie civil, et puis aussi en direction des professionnels sur la thématique de la construction durable. On est une équipe de 13 personnes, plus les prestataires de services. Donc dans ces personnes-là, il y a principalement des chercheurs, donc soit des chercheurs architectes, soit des chercheurs plutôt formation ingénieur
ou alors artisans, qui développent avec les laboratoires partenaires des contenus pédagogiques sur 4 thématiques principales, les sciences de la matière, les techniques de mise en œuvre, l'architecture, en particulier le lien entre les architectures, les cultures constructives traditionnelles et l'architecture contemporaine. Et puis enfin, on a tout un volet qui s'intéresse à l'art et aux aspects sensoriels de la matière, comment cette matière nous parle profondément en nous. Donc ces chercheurs travaillent sur ces différentes thématiques, conçoivent du contenu et ensuite le mettent en œuvre dans des formations en partenariat avec des établissements et des enseignants qui sont intéressés par notre démarche. La réussite internationale au sein du Solar Decathlon, qui est une compétition internationale pour régler des questions de développement durable, d'économie d'énergie, et en quoi l'architecture peut régler ces problèmes. Et le prototype qui a été réalisé par l'ensemble des écoles d'architecture de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes a gagné ce prix. Voilà une réussite très probante de ce travail collaboratif avec les entreprises, avec les fabricants, les étudiants et des écoles d'architecture, d'ingénieurs et autres. Le projet Canopéa a remporté le concours Solar Decathlon 2012 et s'est vu attribuer les premiers prix dans les catégories architecture, innovation, confort et fonctionnalité. Le projet Canopéa illustre à merveille les savoir-faire des grands ateliers. De nos préoccupations, qui est là depuis le début, c'est la mixité culturelle. Donc pour faire un bon architecte, pour moi, il faut être très ouvert à pas qu'une seule source d'information. Nous, ici au Grand Atelier, on essaye de bien mélanger les écoles, mélanger les modes de construction, et c'est tout ça qui crée cette dynamique. Et bien sûr que les matériaux et les modes constructifs sont importants, mais aussi le rapport humain et tout ce mélange fait que l'architecture est en train de bouger et change maintenant. Et c'est notre travail dans l'avenir, expérimentation, recherche, réalisation professionnelle, mais aussi et surtout relation avec d'autres professionnels, management de cet ensemble-là, de ces relations-là, pour qu'on construise les entreprises du futur de l'architecture. À savoir, il est clair que c'est forcément dans du transdisciplinaire, et je reviendrai à ce qu'a dit David à un moment donné, il y a la pluridisciplinarité, plusieurs personnes les unes à côté des autres, il y a l'interdisciplinarité, on échange, toi tu me dis ce que tu connais de ton métier, je te dis ce que moi je connais du mien, et puis il y a la transdisciplinarité, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de l'échange, parce qu'on est capable, et à un moment Paul en a parlé, d'échanger les positions même, Maxime hier qui a montré des images où à un moment donné dans un travail collectif les rôles changent, c'est-à-dire que celui qui était le plombier devient l'architecte et l'architecte à un moment donné a d'autres soucis. Chaque année depuis 2004, les grands ateliers sont partenaires de la Fête des Lumières aux côtés de la ville de Lyon. Festival Grain d'Isère a pris place au sein des grands ateliers depuis 2002.
On a fait un grand colloque sur les expérimentations au mois de l'année dernière. Et on s'est aperçu que ces expériences-là étaient aussi présentes dans le monde, notamment aux États-Unis, puisqu'ils avaient déjà commencé à faire de l'enseignement par expérimentation. Paul Vincent de Sheila Kennedy ou de Brian Mackey montre que, à travers ce type de démarche, on peut atteindre l'excellence aussi, et on fait une excellente architecture. Et donc opposer la pratique à la théorie ou au design justement habituel, la pratique habituelle, est une pure fiction. C'est effectivement, nous sommes dans l'unité, nous cherchons tous la même chose, il y a cette objectif de faire les bâtiments les plus élégants et les plus agréables et les plus habitables possibles en fonction des usages, des lieux, des ressources, du climat. Ça reste le cœur du métier. On tourne autour comme on veut. C'est par rapport à ça que nous travaillons. Et on peut parfaitement atteindre cette... on se doit d'atteindre cette excellence en ayant justement regardé tous les éléments composant cette difficile équation. Et dans cette difficile équation, je pense que la maîtrise, ou en tout cas la connaissance corporelle de l'acte de bâtir est quelque chose d'absolument indispensable, comme ça l'était au Moyen-Âge. Alors déjà, c'est de bien continuer nos missions, c'est-à-dire de faire évoluer la construction, de faire évoluer la formation dans les écoles d'architecture par l'expérimentation à grande échelle. Ces 15 ans d'expérience nous ont prouvé que c'était très très bénéfique pour la qualité de la formation en architecture. Et puis, c'est d'aller encore plus loin, c'est-à-dire d'intégrer complètement les nouvelles technologies, de renforcer encore cette mixité, faire un mélange encore plus serré entre la recherche et puis l'expérimentation et la formation dans les écoles, c'est-à-dire de pousser encore plus loin nos objectifs de départ. La réussite de ce site peut aussi se voir aujourd'hui par l'achèvement du bâtiment des Compagnons, et ça c'est une vraie valeur de travailler avec les Compagnons. Derrière nous, le projet d'une deuxième halle portée par Astuce Construction, et donc de fait on va renforcer encore les liens de l'ensemble des acteurs, développer la recherche encore plus puissamment avec les entreprises, développer le partenariat au-delà de l'enseignement supérieur, pour qu'on ait vraiment, dès les études, la mixité des acteurs et une production de grande qualité.